Salut tout le monde, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4. Et après avoir ragé pendant à peu près 30 minutes avec le sniper, j'ai décidé de faire la campagne pour faire les tâches. Ouais, donc là j'ai juste à peine lancé la cinématique, puis je me suis dit non, faut que je le filme. Donc je vais faire la campagne. Commencer une nouvelle campagne. Bah, de toute façon, j'avais rien fait avant. Et ça commence par une cinématique, donc je vais me taire. Sur ce morceau. Hé, Irish, tu sais ce qu'on trouve comme poisson à bas coût? J'en ai pas la moindre idée, sergent. Hé, Wrecker. Wrecker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué, Wrecker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, Pike. Merde. Le siège ne bouge pas. Vous êtes coincé, sergent. Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas qu'à quoi bouger ce siège. On s'enfonce toujours, merde. On va vous tirer de là, Don. C'est compris? Comment? Porte coincée. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Wrecker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries, Don? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une patte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Wrecker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Wrecker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! C'est n'importe quoi, mec! Fais pas ça! Tire dans la... Ok. J'avoue que j'ai augmenté un peu le son. Je pensais que ça allait être plus sympa. Finalement, je vais peut-être le baisser un peu. Je vais le laisser à 25 quand même pour avoir pas mal de son. Voilà. Je sais pas si on m'entend bien avec le micro. Attendez, je regarde vite fait si on m'entend bien. Hein? Oui, je pense que c'est bon. Le mec comme ça, voilà. Lâche ça! Lâche ça! Putain, le Wrecker! J'ai failli te tirer dessus! Tu les as semés? Oh! Du calme, Pac. T'étais passé où? Quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement? Ouais, ouais, je l'ai. Bien joué. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Il est pas avec vous? Je lève le silence radio, Tombstone 3 de Tombstone Leader, votre position? Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici, je vais me replier, faut me couvrir! Ouais, pas de soucis, mais je te couvre. Par contre, l'autre il est en train de me pousser. Alors, quelle arme? Vous pouvez débloquer davantage d'armes en les trouvant avec moi. Après avoir obtenu, ces armes sont toujours disponibles dans la fiche de caisse. Une mission se. Oh ouais, putain! Ah oui, bah il y a toutes les armes. Ah, merde. Je peux prendre la porte. Ah non, je me disais c'est trop beau. Non. Une secondaire, je prends le marteau.
Iris, attention. Je crois que j'ai l'ex. Hacker, il y a des ennemis à la fenêtre. Sérieux lui. Voilà d'autres, vous les voyez? Attention, on s'engage. Putain, il prend pas ses balles dans sa tête lui. Ouais, je suis pas trop parlé quand même dans le truc, hein. Juste histoire que vous soyez bien dans l'ambiance en fait. On a le paquet, mais ça s'agite ici. On rejoint le point d'extraction. Bien reçu, Tombstone. Médico en route. Rejoignez la position. Terminé. Oula. D'accord. C'est quoi ça? Engager amène l'escouade à attaquer les cibles. En fait, on contrôle l'escouade, ouais. Ah, c'est cool ça. Attaquer les cibles dans votre champ de vision. Après chaque commande engagée, l'escouade a besoin de temps avant de pouvoir engager de nouveau. Vous pouvez voir la situation de l'escouade en bas à droite. Ok. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. Ami à faire. Bon travail d'équipe, Thompson. C'est un scarage qu'on a, ça. Par les armes à feu, comme le bois, le verre, les parpaings, mais les murs plus épais réclament largement plus gros comme lance-flamme aussi. Là voilà notre sortie. Hacker, cherchez des explosifs dans cette caisse. Qu'est-ce que c'est, gadget 1 et gadget 2. On va sortir. D'accord. J'irai jamais faire ça, parce que ça, ça peut s'effondrer et au final, tu te prends sur la gueule. Content de vous entendre, Hawkins. On progresse. Faites monter vos gars sur le toit. Ne faites pas attendre. Tu balais la zone, Wrecker? Oui. Voilà le bâtiment. C'est plutôt une moitié de... Allez, Wrecker, les jumelles sont très utiles. Ouais, les deux cheminées, pile en face. Tu vois ça, Wrecker? Mais intéressant. Étant donné que je n'aime pas du tout les snipers. Quoique. Ah non, je garde. Surveillez vos secteurs. Gardez les yeux sur la cible. Doudou maintenant. Thank you.
Comment on fait pour engager là? Parce que du coup, là, ça... Ah ouais, bah comme dans tous les jeux quoi. 4 tireurs. Bah ouais mec, mais je peux pas vous faire engager là, ça me met la putain de... Reste à terre, Pac. Au pire. Comment on les fait engager là? Il est peur. Je pense que vous m'entendez bien quand même. Attendez, je vais peut-être plus me mettre comme ça. Attendez, deux secondes. Voilà. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Ah, Venom. Ah, oui. Attendez, mais comment je suis engagé, du coup? Ouais, bon, bref. Je vous couvre. Donnez-moi juste les cibles. Les forces alliées pourront à l'occasion quitter, elles attaqueront une cible, je sais que... Ok, d'accord. Ah, mais quand je fais R2, ça me fait ça. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi ils veulent pas attaquer, là? Ah, engagement, voilà. C'est parti! Bonjour monsieur dame. Oh merde. Oh, il m'a mis cher là. J'ai fait le con. Je l'avoue, j'ai fait le con. Parce que j'ai voulu passer par le côté. Et rentrer dans les mecs et j'aurais pas dû. Bref, moi j'ai prévu ma petite bouteille quand même. Grosse erreur stratégique. Ah, attendez, dedans, là. Donc, on va avancer. Et là, normalement, on aura les cobots qui vont arriver. Je vous couvre. Donnez-moi juste les cibles. La cible, Firebird. Vous pouvez, Raker? Des fois ils engagent, des fois ils engagent pas. C'est bon. Je vais essayer d'engager. En plus il a du vulcan. Wow. Ça vous voyez le vulcan, c'est vraiment ce que j'ai envie.
Bon, si je me trompe pas, je vais prendre la place. Ah! À travers la cour et donc priorité d'extraction. Extraction! Voilà. Je vous avoue qu'en fait j'ai jamais fait la campagne et j'ai voulu la faire en difficile parce que bah, déjà pour mettre un peu de difficulté puis pour débloquer les tâches en fait en multijoueur. Wow. Il faut que j'aille où en fait. Le tuyau d'évacuation, c'est notre seule option. On y est prêt. Ah ok d'accord. Quelqu'un a un peu une lampe là. Ça m'intéresse. Ah mais comment on utilise le deuxième gadget? Enfin même le... Attendez. Ok. Ah d'accord, ok. Oh. Erreur de ma part. Ah bah ouais, vaut mieux. Sur le toit, t'es sûr? D'accord. En fait, il faut juste appuyer une fois et pas rester appuyé pour... pour engager. Moi je suis resté appuyé, du coup ça faisait jumelle. D'accord. En position. À l'autre camion. Oh. Plus avec leur fragmentation. Il se replie.
Wow, wow. T'as pas de me faire sauter la gueule là. Ok, j'avance. Oh, wow. Hey. Ah mais les mecs ils avancent pas très vite. Si c'est bon. Donc des accadous. Ouais. Foutez-vous de ma gueule, il va y avoir des ennemis là. Les bruits de pas sont vachement forts par rapport au bruit des voix. Les angles, les mecs. C'est sérieux, ils veulent utiliser ça. Attendez. C'est ça le meilleur moyen de monter. C'est le plus rapide. On n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. La ferme. Ouvrez l'œil. Aïe. Dans la merde. C'est loin ? Je crois que c'est le dernier étage. Oh. Oui, ben on arrive, 2 secondes. On va essayer de foutre ma gueule là. Wow. Tout va bien. Oui, comme je disais, je contrôle la situation. Ou pas. Bon. Un avion à terre, un bâtiment détruit et 4 mecs morts. Ah non. Oh non. Ça va, mec? Pas que des traces de Hawkins et des autres. Pas de survivants. Fais sortir Gunn de l'épave. Je peux pas, il est coincé. Essaye. Je suis en train de sortir Raider. Coupe-la!
pas mort, juste épanoui. C'est toi l'infirmier, bordel, tu devrais savoir ça, Pac. Pas la vue du sang. Il se pointe, à terre, à terre. Allez, allez. Les bichons vont revenir, faut pas rester là. Eh, c'est cool les Azeris, hein. Allez, vite. Ça va aller, Eden. Ça va aller, on va vous tirer ça. Oui, bah je veux bien conduire maintenant, moi. Ah, c'est bon. Ah bah oui, ah n'est pas. Ça je m'en doutais un petit peu. Hein. Fortress, ici Tombstone. Notre plan d'extraction est foutu. Faut qu'on trouve autre chose. Vous recevez ? Tombstone, Fortress poursuit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Fais chier, allez, roule. Reçu, Fortress. En route, où est l'hélico ? Je sais pas, je regarde. Non, on entend même pas les mecs parler, quoi, tellement le son de leur voix est bas. Attends, je vais régler ça. Je sais pas le. Ah, attendez. Ah, bah, du coup, faut absolument jeter ceci, sinon on entend rien. Ouais, attendez, il est juste, ça reste à 40%. J'ai dit, j'avais baissé à 25, voilà. Oh oui. Et c'est parti! Ouais, ça change pas grand chose en fait. Hein. Ah, donc on comprend comment ils se sont retrouvés dans la flotte. Ouais. Tombstone a récupéré les renseignements. Et... En cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine. Et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Tiens, bon, bah au moins on sait ce qui s'est passé. Hein. Bon, alors, je vous avoue, je dis ça, mais j'ai regardé moi les 13 minutes de gameplay qu'avait proposé DICE, et c'était la première mission. Voilà. C'était pour éviter en même temps de dire pour ceux qui l'auraient pas vu, enfin de spoiler un peu. Putain de loi martiale pour 1 milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jin Jae. Qui c'était ? Ils convoitaient la présidence progressiste. Ils poussaient le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Ji. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Dubljkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Wrecker,
Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Ne faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars. J'espère qu'il arrivera rien à la caisse. Du calme, petit frère. Ça va aller. Petite histoire avec le dinosaure, là, vite fait. Et pour la femme de Dunn ? Je me suis pas fait à l'idée, Buck. Franchement, je sais pas quoi lui dire. Il est pas mort dans son lit et je me vois pas lui mentir. Allez, Rich ! Come on, c'est difficile ! Désolé, miss. Putain, mais c'est le bordel complet ici. Les flics sont sur les dents. On fait que traverser ce merdier pour ramasser le gros lot, c'est ça ? On passe entre les gouttes, hein, Ricker ? En tout cas, je prendrais bien un café, là. Hé, infanterie motorisée dans la place. Bien sûr. J'ai l'impression que ces enfoirés voient que moi. Fula naturel. Naturel ? Non, mais c'est une plaisanterie. Tu trouves que j'ai l'air d'un chinois, Pac ? Quelqu'un a le bâtiment en visuel ? On ne bougera que si on trouve le moyen de sortir d'ici. Ok, prends à gauche, maintenant. En avant ! Je crois qu'on est bon. J'ai le bâtiment en visuel. On doit aller à quel étage et combien de VIP d'après Garrison ? 3 avec Kovic ? Kovic et 2 du coup. Putain ! Hé, hey, tout doux, on se calme ! Prends à gauche, le bâtiment est à gauche. On est coincé. Faut abandonner le véhicule, on va continuer à pied. Reçu. Allez, Rekker ! C'est parti. Ok. C'est fermé. Pac. Voir ça ? C'est vraiment dommage que leur voix soit buggée comme ça. Je sais pas, c'est moi qui fais un mauvais réglage, mais leur voix, enfin, elles sont vachement basses quand même. Tu ne peux pas régler ça manuellement en fait. L'animation avec la voix, comment elle est trop mal faite du mec là. En fait, c'est toujours la même animation qui passe en boucle avec une voix. Ça se voit trop. Un studio en chinois, l'autre, mais une place un peu plus là. Je crois pas que ce soit censé être là en fait. Ah, déjà 30-150, ok.
MP45 ou MP9. MP45. Toutes les armes acquises sont placées dans la caisse d'armes. Vous pouvez accéder à toutes les armes dans chaque caisse d'armes. Ok, d'accord. C'est quoi ces flingues de cocktail? Direction l'hôtel. Je vois pas, les VIP sont au bar du dernier étage, ils profitent de la vue. Fallait que ce putain de bar soit sur le toit. Il faut que t'appelles la femme de Dunn. Ouais, je sais. Ça me mange. Ferme cette putain de porte! Oh putain, ouais, mauvais étage, tu m'entends. Chier, les mecs, je crois qu'on vient d'envahir la Chine. On peut pas repartir par là. Est-ce qu'on a d'autres options? Non. On ouvre l'œil, c'est tout. Allons, chercher ces putains de VIP. Justin! Et tu vas me filer le CZ. On est bon. Hey Shaker, regardez ça. Pardon. Qu'est-ce qui se prépare? Bon, d'accord. Ah bon. Merde. Ok, à part qu'on avance. Oh merde. C'est quoi? Ah yes. Type 95. Quoi, leur camouflage, ils sont sur leurs armes. Ça peut me servir. 5 les morts. 6 les morts, pardon. Putain, il dépose ses unités un peu plus haut. Ah non, je le garde dans la rafale. Parce que la rafale suffit pour tuer.
Mettez-vous en position. Ouais. Ennemi en approche, sur le balcon. Putain, j'aurais dû m'en douter s'il mettait les clés marques, il y aurait eu. C'est sérieux là? J'aurais une clé comme ça. Clac. Tu fais chier à scripter toi. Ok, il en reste un normalement. Ok. Ok, lui c'est bon, il en reste encore un autre. Eric, il a eu. Putain, je fais rien. Ok, va me casser. Oui. Ah, j'avoue, j'aimerais bien que cette main le tue, connard. J'y suis presque. Fils de pute, je sais pas comment il faut que je t'appelle. Espèce d'enculé. J'avoue que je connais pas grand chose en armes chinoises, ni en véhicules chinois, ni en unités chinoises. Enfin, en armes, j'en connais d'autres. Ouais, mais... Enfin, ça commence à devenir à la mode un peu là, ces armes. Attends. C'est toujours les mêmes armes qu'ils ont? Non, ça c'est un fusil à pompe pour le débloquer, voilà. Ah bah vous savez quoi, je vais prendre un fusil à pompe en secondaire. Je vais garder leurs armes à eux parce qu'ils vont m'en donner des mines. Mais ils viennent à l'infini ou quoi? Oh 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 oh. Ils viennent à l'infini, ça va être. Ah oui, c'est en chargeur. Okay. Aïe. Ça y est, c'est bon. Allez les mecs, c'est fini. Ah, ça y est bon. Bah, parfait mon grand. Ah ouais, du gâteau, enfin bref. Du gâteau. D'accord. Bonjour monsieur. Il va y avoir un escalier. Ah, ils sont toujours aussi volés dans Battlefield 3. Ils ont pas de yeux, rien du tout. On voit à travers. Ah, et leur bouche et ils disparaissent ton visage. Ah ouais, je suis prêt. Ouais. Ça pue la merde. Qu'est-ce que je disais? C'est notre étage. RAS. Ouais, ça pue la merde. Et d'accord. Oh putain, ils m'ont fou. C'est pas vrai. Nos VIP 38. Ah non, c'est ici. Putain de merde. Ah bah là, il pète pas la forme. Hein. Enfin, pour péter ici, mais la forme. Vous êtes en retard. Du temps pour venir à bout de mecs venus pour fouiller l'immeuble. C'est pour ça que j'ai changé de chambre. Alors dans ce cas, Kovic, pourquoi vous avez besoin de nous? Traverser le couloir est plus simple que traverser la rue. Venez. Oh bah putain.
Allez, Ricker. Où est le fourgon? Le fourgon? On peut oublier les rues, Kovitch. Elle grouille de militaires chinois. Oh putain, quelle merde! C'est qui ces VIP? Des gens très importants, une femme haut placée et son mari. On les fait sortir en un seul morceau. C'est tout ce que vous devez savoir. Je suis Anna. Voici mon mari. Merci de votre aide. Pardon, monsieur. Excusez-moi, madame. Vous parlez ma langue. Vous allez bien? Vous pouvez marcher. Il cherche le mec, hein. Bah oui, mais... Mon mari est blessé. Il lui faut du repos. Négatif, on n'a pas le temps. J'ai aperçu des hélicos sur le toit. Il faut qu'on y aille. Alors, on monte. Quoi? Si vous le prenez, je peux le piloter. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Moi, je suis piloté en hélicoptère. À moins que le sergent ait une meilleure idée. On pique des hélicos, maintenant. Vous avez fini. Mon mari a besoin d'être soigné. Toute cette violence... Où ça nous mène, sergent? Ce n'est pas ce qu'on... Merci d'être venu, sergent. Je vous en suis reconnaissante. Allez, maintenant. Vite! Vite! Go, go! C'est vous, allez! En route. Alors, désolé si pendant la cinématique vous aurez peut-être entendu, bah, je sais pas, le son de mon ordinateur, un truc comme ça, j'ai oublié de couper mon micro. C'est pas grave. Si ça marche pas, bah, si on monte à l'ascenseur ou est-ce qu'il dit escalier, je parie. Dégagez la voie, je vais couvrir nos arrières. Monsieur, madame, attendez ici. D'accord, on grimpe. Sergent Ricker, emparez-vous de l'hélico. On est d'accord, ça pue la merde, même la musique me fait sentir. Attention, sergent. Ah, pardon, mais j'en ai envie de tirer. Oh, j'ai l'UTS 15, c'est mon fusil. Vous savez quoi, je préfère carrément l'UTS 15. Pour moi, c'est le meilleur fusil à pompe au monde. Et engagé. Attention à ta couverture. Voilà, la cible du cul en tête. En rafale, mais je peux la passer en plus de tout. Ah, il est. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon, il est sécurisé, votre hélicoptère. Pas mis 2-3 balles. Wow. Oh putain! Il s'est pris une balle de snipe, le mec. Mais il va très bien. Oh merde, 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 merde. Eh, il est parti sans nous! Sérieux là, il est parti sans nous? Je sais pas pourquoi, je m'en doutais un peu.
Oh putain. C'est ça qui a revenu me chercher. La magie de l'UTS 15, deux tubes pour avoir plus de balles. Surtout, c'est un fusil en bol plane, plus long canon, donc plus de portée. Je veux dire, gros chargeur, bonne portée. On peut demander de mieux, pour un fusil à pompe. Oh, oh, mais merde, j'aurais pas dû trop avancer quand même. J'avoue, j'ai fait le con, Ah, merde. Oh non, il s'arrête, oula. Oh merde, putain, faut que je recommence d'ici. Allez, oh, oh, oh. Oh, 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 mais... Non, 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 tu mens pas, toi. Tu m'étonnes, élimination sous adrénaline. Canon en surchauffe, tu te fous ma gueule ou quoi? Canon en surchauffe. Oh, oh, oh. On est coincé. Vous êtes où, Ricker? Bah, je suis là, mais il y a plus d'ennemis là. Ah, ok, je veux bien sécuriser un hélico, mais s'il est pas là. D'accord. Ouais, bah, toi nettoyer, mais pas d'hélicoptère. Reçu, les VIP arrivent à bord d'un hélico prêt à l'ennemi. L'un d'eux a besoin de soins immédiats. Il est toujours dans la tour, on cherche un autre moyen de filer. À vous. Tombstone, vous devez rejoindre le fleuve. On prépare un plan d'exfiltration. Vous me recevez? Ouais, ouais, bah, je veux bien. La merde. C'est plus la merde, c'est ce que j'ai envie de dire. Putain, là, vous voyez ce qui est marqué derrière la TIC 95, c'est comme si sur... c'est comme sur MW3, c'est marqué l'invincible. Voilà, petit truc. Oh, c'est pas les ascenseurs. C'est l'altitude. J'ai horreur de ça. Putain, c'est une blague. Quoi? J'adore ce morceau. Un putain de morceau. Jusqu'ici.
là-bas, je passe devant. Oh, Trigger. J'ai cru que j'allais se faire éliminer. Je vous jure. C'est ce que je crois. Voilà, c'est ça que je veux. Fortress, Tombstone 4, répétez. Je répète, cette position ne peut pas être tenue. Exfiltration impossible. Vous avez 30 minutes pour rejoindre le bateau. Putain, va te faire foutre. Hélico, au-dessus de la place. Le plus rapide, c'est à l'est, par la rue principale. À l'est. Elle a dit que le plus rapide c'est par l'est. Ah, il est direct passé par là. Faut qu'on les élimine. Ah non, faut qu'on les élimine, d'accord. Ça, deux bombes de l'eau. Je sais pas s'il faut que je fasse. Hein. Mais c'est un ennemi ça. Si foot. Ah mais je veux bien mais faut qu'ils avancent quoi les gars. Ah non, je sais pas si c'est l'hélico qu'il faut que j'attaque là. Voir s'il y a d'autres personnes. Ah je crois que ce soit l'hélico qu'il faut que j'attaque. Ah si quand même, voilà. Oh oh. Là ça va pardon. Ouh oh. Là, vous allez voir, tac, une grenade, allez bien placé, boum. Bon, ben on va avancer. Hein, Putain, on a nettoyé toute la zone, j'ai l'impression. On a créé un foutu bordel. Oh putain. Vers la roulette de gauche.
Un type 88. 9, je crois. Là, comment en zone urbaine. Ah, ils vont le tuer. Ah, ouais, c'est bon. On avance. Ah merde, je passe par en bas. Ah non, pas. Oh putain. C'est bon. Ah merde. Demi-tour, vous êtes sérieux les gars? Bah bien sûr que ça va, mais c'est un peu la merde là. Ah on sait que j'arrive bien là, on doit. Ah merde. J'espère qu'on l'a perdu. Wow, wow, wow. Ouais, enfin, on l'a perdu, mais apparemment, les ennemis en face, n'ont pas peur. Wrecker, par ici. On est presque au fleuve, hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il dit Wrecker, ça fait penser à Striker, et donc, je ne reconnais pas si bien ce qu'il dit. C'est un vrai champ de bataille. Le jeu est fait pour moi. Allez. Ah oui. Ça tourne à la guerre civile. Merde, personne contrôle plus rien. Ça, je dirais pas le contraire. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Aidez-nous à rejoindre le fleuve. Ouais, nous sommes 5 ici. Prenez des armes par terre, dis. Mais tu voulais pas me laisser passer, tu sais. On a bien besoin de votre aide. Ah, on dirait Ellie dans. On ouvre l'œil, Ricard. Elle ressemble un peu, hein. C'est pas des vrais méchants. Comment ça va, Neoma? Ok. Attention, écartez-vous de la fenêtre. C'est dangereux. N'approchez pas de la fenêtre. Eh, hey, des chars. On essaie d'aller au fleuve, mais les hommes de Chang ont des chars. Personne n'entend ni ne sauve la ville. On va vers le fleuve. Il y a des roquettes en petits chars dans le coin. On voit la une. Genre, ils en trouvent une au même moment. Mais Chang est trop puissant. Bah oui, mais tu m'étonnes qu'il est trop puissant, le mec il est... Je sais pas comment ça s'appelle les chars, je crois que c'est type 89. C'était là, protéger l'enfant, allez Wrecker en route. Type 99, c'est tout. Vous voyez le char, Wrecker? Ouais, ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. En même temps, je veux dire, c'est pas trop difficile à voir. Ah bah oui. Ah, t'es mignon toi. On a besoin d'explosifs. Oh bah j'ai une clé mort, mec. J'ai une clé mort, tu veux que je lui fasse péter une clé mort à la gueule? Je la pose, je tire dessus. On est en retard, je pense. Détruis ça et on se trouve une barcasse pour quitter la ville. Alors je tiens un coup d'œil à ça. J'ai même parce que les mecs ne suivent pas là, mais si tu voulais rejoindre le. Ah, gadget à l'intérieur. Ah, bah, il y a gadget aussi là-bas. Là. Et là. Et boum. Ce que j'ai envie de dire, c'est et boum, chat. Il est sérieux là? Bonjour. Hop là. Hop là.
passe là. Boum. Boum. Oh putain, le dios que je suis. Et je suis un gamin. Et boum. Cette fois, faut que j'arrête de faire le con. Ah, il semble là, j'avais pas vu, tiens. Voyez s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais il y a toujours des choses intéressantes, connard. Il me faut des armes. Hop là. Tac, il descend par où là? Ah, il était venu là, je crois, la dernière fois. Tac. 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 Et c'est bon normalement. Oui, bon t'inquiète. Allez, kaboum. Et boum. Et merde. C'est pas et boum finalement, c'est merde. Je veux bien attaquer par derrière, mais en même temps, un char, c'est pas possible. Oh putain. Oh, ok. Comment on peut péter? Oh merde. Ah non mais j'ai cherché de l'équipement mais en fait, parler de mon petit char, j'ai pas grand chose. Oh putain. Son blague, c'est un char. Allez, boum. Ah, putain, c'est pas vrai, ça. Raker, prenez des explosifs dans le bâtiment. Hein? Putain. Ah, ya. Yeah. Hein? Ah non! Ah non, 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 ouais, ouais, oh, oh, foutez-vous pas de ma gueule, hein. Hop là. Allez, vous faire rentrer. Putain de merde! Il m'a pas vu. Mais je le sais! Hein? C'est passé quoi? Non, sérieux, là, il s'est passé quoi? Enfin, genre, le chien, il m'a vu à travers un mur et tout. Genre, tranquille. Genre, tranquille, wesh, ma gueule. Oui, bah, tu vas te faire enculer, d'accord? Non, c'est 4. Tac. Il arrive par là. Vous allez voir. Hop, hop, hop. Et... Kaboum! Eh bah c'est déjà fait. Ça voit le mec qui passe son temps passer son temps sur Battlefield à mettre des voitures piégées. Moi j'aurais bien voulu faire ça. Ah monter sur le bateau, bah c'est bon, il est rendu là. Ah d'accord, le bateau c'est ça. Alors si c'est ça le bateau, c'est foutu. Y'a des civils ici. S'il vous plaît. C'est des civils ça ou? Je crois qu'ils vont nous aider. Hey! Hey you! Can you help me please? Ah non d'accord, ils vont pas vraiment nous aider. Je pense qu'ils veulent tous se casser. Ah non, c'est les mecs qui nous ont suivis, ok. Fortress, ici Tombstone 4. On est à bord d'un bateau civil, à vous. Ici Fortress, bien reçu. Arrivée estimée, à vous. Cette coque de noix n'a rien d'un bateau de course, à vous. Ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone. Quelle est votre position? Je répète, ici Fortress, on vous tire dessus, Tombstone.
Ouais, c'est ce que je me disais. Bah non, mais t'es con ou quoi? Bon. Eh bah là, vous voyez ce que ça fait une bombe. Hein. Bah oui, bien sûr. On va pas les emmener à un bateau militaire. C'est un porte-avions, le Valkyrie. Ah non, mais c'est grillé pendant encore 24 heures. Au moins. Ouais, 24 heures au moins. Je sais plus combien de temps à peu près ça peut être effectif. Ouais, oh, Creature, ça peut être plus. Je dis 24 heures, mais ça dépend. Normalement, c'est 24 heures à peu près. Je sais pas combien vraiment il y a de missions. Je crois qu'il y en a 5 ou 6. J'en ai fait 2. Faites vite, docteur. J'essaie, capitaine, mais il reste pas mal de réfugiés à soigner. On sait combien il y en a à bord? À première vue, entre 350 et 400. Vous aurez bientôt le nombre exact. Ce sera tout? Oui, capitaine. Et ma demande d'effectifs supplémentaires? Désolé, doc. Vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Vous aurez de l'aide quand on rejoindra le Titan. Compris. Et capitaine, je sais que ça râle pas mal à propos de la présence de ces réfugiés, mais moi, je trouve que vous avez bien fait. Merci, lieutenant. Ok, bah là on se trouve sur un porte-avions. Enfin, juste en fait pour savoir, les porte-avions américains ça commence toujours par USS. Hein. Je sais pas si le Valkyrie est dispo de voir. En haut, sûrement. Oui. Temps clair et jumelles. Il y a un siècle, ça aurait été parfait. Aujourd'hui, on est comme des temps. On sait pas si c'était des Chinois. Tu peux parier. Enfin, lui, il me bloque la route, je suis obligé de faire tout ça. Tous ceux qui parlent comprennent le mandarin. Faites vous connaître. Je parle le mandarin. Ok. L'attaque IEM nous a laissé un joli tas de surprises. Sergent ? Bon, la journée est loin d'être finie. Trevor, emmenez vos hommes au générateur en zone L4. L'hydraulique est en croix. Il faudrait regarder l'alimentation principale et vider les évacuations. Compris ? Ensuite, il faut rétablir la clim. Ah merde, faut que je trouve Irish. Bon, Powers, vous vous occuperez de ça. Commencez par les sections B4 et E9. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Ah, et Stepper, Underwood. Signal niveau 2 LPR. Putain, c'est des vrais labyrinthes, ces portes. C'est. Porte-avions. On sait que l'USS Titan, c'est un porte-avions. Faudrait tenir à Irish en laisse. Vous avez ramené toute la ville à bord, et on est devenu un refuge pour des gens qui auraient dû rester dehors. Des ennemis. On devrait bientôt refiler le problème. Ouais, je les vois là. C'est toute mon escouade. C'est Pac. Pac-Man. Il y a 5 minutes. Mais son trauma crânien est peut-être plus grave qu'on pensait. On ne pourrait
pouvez pas entrer, madame. Vous plaisantez ? Mon mari est là-dedans. Je suis désolé. Je dois entrer. Qui est-ce qui commande ici ? Vous voulez bien reculer, madame ? Elle est avec nous. Laissez-la passer. Il faut faire un scanner en cas d'hémorragie intracrânienne. C'est impossible. L'IEM a grillé le plus gros du matériel. Écoutez, le plan, c'est de rejoindre l'USS Titan et d'utiliser leur équipement. Madame, croyez-moi, je vais prendre soin de votre mari. Je reste avec lui. J'ai une formation médicale. Bien. Toute aide est la bienvenue. Inconscient, c'est pas bon. Irish vous cherchait. Il est sur le pont des véhicules. Vous vous êtes réconcilié, au moins ? Sur le pont des véhicules ? Ah bah... C'est marrant parce qu'ils ont vachement bien représenté différentes parties d'un portail. Enfin, on a vu le réfectoire, on a vu les dortoirs, on a vu une salle de réunion. Et là, on va voir le pont. C'est quand même vachement bien représenté. Je sais pas si c'est représenté déjà si le matériel existe pour de vrai. Je sais pas si ça représente. C'est vraiment l'intérieur d'un portail. On saura quand on rejoindra le Titan. Ah, nos sprays. Oh, merde. C'est marrant, les osprays, quand même. Irish est un mec bien. Mais on est toujours dans ce genre de situation. Je devrais peut-être intervenir. C'est pas facile. Un équipier doit savoir rester à sa place et ne pas dépasser les limites. C'est pas bon pour la cohésion de l'unité. Bah carrément, je suis d'accord avec toi, mec. Pour ce que j'en sais, en réalité, c'était à vous de décider, pas à Irish. Ah, il doit être là-bas. Hé, hey, Irish ! Back ! Ça va, petit ? Tiens, c'est pour toi. Petit ? Non, petite. L'orange. Compte 396 survivants, dont des femmes et des enfants. Tu peux être fier, non ? Ouais. Eh. Allez, quoi, tu vas pas croire à ces conneries de CE, les méchants ? C'est pas ça le problème. C'est Wrecker, le chef. C'est lui qui prend les décisions. Franchement, Pac, c'est quoi le plus important ? Sauver des vies ou bien suivre le protocole ? Tu sais quoi ? On va monter. Je verrai avec Garrison s'il y a un problème. Non, tu verras rien, le chef ira le voir. C'est bon, j'ai trouvé Irish. La condition idéale, ce navire aurait du mal à héberger 400 réfugiés. Bon, c'est une mission un peu plus cool, il y a déjà. On a fait ce qu'il fallait. Ah, là. On va bosser ta présentation, Irish. Allez. Je suis libre. Moi, je sais pas du tout ça. Ah, oula. Oh. Ah bah, je crois que le Titan a un problème. Toi. Merci. Je crois que le Titan est dans la mer. Il y a toujours deux avions dessus pour le récupérer. Ouais. Bon, bah le Titan est foutu. Hein. C'est tout ce que je peux te dire, mec. Le Titan est condamné. Non, je t'avais pas vu. Monte à bord avant qu'il sombre à jamais. Il y a pas mal de variables en jeu. On ne sait pas qui les a attaqués ni s'ils vont revenir. On ne peut pas se permettre de surprises. Tombstone ne vous laissera pas tomber. Sergent Wrecker, l'agent Kovitch prend les rênes. Vous suivrez ses ordres comme si c'était les miens. Permission de parler. Rejetez. Le capitaine, le sergent Wrecker. Pas de discussion, Irish. Obéissez au chef d'escouade. Je ferai de la place pour les survivants. Le Valkyrie sera en position défensive à 1 km à l'est du Titan.
Agent Kovitch, rassemblez vos hommes. On cherche des renseignements et des survivants. Équipez-vous. Armes et matériel de plongée. Ah, tu vas refoutre, connard. C'est moi qui prends les décisions. Sûrement pas ça. Il n'y a pas gadget, non? Un semi-rigide vous attend. Allez! Ah, je ne passe pas, c'est bâtiment. Merde. Allez, Irish. Allez, Marix. Le temps joue contre nous. Sergent Riker, prenez les commandes. Ouais, cool. On va laisser remonter par contre. Ah, c'est bon. Personne ne sait exactement ce qui se passe, Maryse. Mais vous pouvez nous aider à y voir plus clair. Ne foirez pas. Compris, agent. L'agent compte sur nous à bord du Valkyrie. C'est largement plus grand que le Valkyrie, puis... Regardez-le. On a une idée du temps qui reste avant qu'il coule. Assez. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, agent? Titan n'est pas vraiment une coque de noix. Asseyez-vous et profitez de la balade, Marie. Vous appelez vers l'inconnu. On dirait que devant là, le Jovic, on dirait qu'il est en train de tirer, mais on peut le sentir. Bref, il fait piou 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 piou. Il fait genre il tire. Ah bah on y est, hein, les gars. Non, c'est pas là. Je passe quoi? Écoutez. Ah d'accord. Le temps était hors de portée de l'IEM de Shanghai. J'avais enregistré plusieurs heures de comprendre. Des données qu'on a faites. C'est pour ça qu'on est là. Il y a mieux de se manier. Données. Merde! Kovic, vous avez une stratégie si ce truc se renverse? On va finir par glisser du récif. Quand ça arrivera, vaudrait mieux qu'on soit loin, avec l'enregistreur. C'est pas ce que j'appelle une stratégie. Attention où vous marchez. On est sur le pont C et on va vers le centre de contrôle des avaries. Cherchez l'écoutille G46. Elle permet de traverser de bout en bout. Ok, c'est où? Par là. Avancez. En gros, on fait vite. Ah, G46. Voilà l'écoutille. Riker l'a trouvé. Faut l'ouvrir. Ah d'accord. Faut qu'on descende là-dedans. C'est nager, Marine. Oui. On plonge jusqu'au pont intermédiaire. Ça va nous amener au-dessus de l'eau. En route. T'as entendu l'autre enfoiré. Saute.
tu auras un vide. Ça me fait toujours rire cette expression là. C'est un espèce de 20 milieux sous les mers légèrement flippant et ça me rappelle la putain de mission où on était bloqué dans une voiture. Je pense que c'est bon. Merci de déposer tes bâtons verts. Là, tu vas pouvoir en déposer un, je contourne. Ah, attendez. On en a pas. S. Bonjour, bonsoir. Eh, écoutez, les survivants? C'est peut-être mécanique, faut qu'on y aille. L'eau monte vive. Tout le monde est prêt. C'est bon. Ils sont tous prêts. De là, devant. Ça ressemble à un SOS. Quelqu'un est peut-être coincé quelque part. Je veux pas le savoir. On continue. C'est comme ça qu'on recherche des renseignements. La salle des machines. Regardez, le sol est inondé. Merde, j'ai l'impression que l'eau monte. Trouvez un passage. Il faut qu'on récupère les infos avant que le bâtiment coule. Génial. Un sans frido. Ah, ils sont là. Merde, c'est soudé. Ils sont déjà morts. On bouge. Tous là-dessus. On les laisse pas là. Hey, même avec une torche, il faudrait 9 minutes pour découper ça. À la vitesse où l'eau monte, tout ce qu'on sortirait, c'est des cadavres. On les laisse un point, c'est tout. C'est un or. Vous avez entendu Garrison? Va chier. Tenez bon, les gars. Non, Iris, non. Donne-moi ça. Putain, Iris, calme-toi. Désolé. On y va. Allez, allez. L'enfoiré, ça, il me le paiera. Il va morfler. Regarde, faut qu'on y aille. Il nous a enfermés. C'est pas ici. Qui a fait ça? Ils nous ont enfermés et nous ont laissés ici. Je sais pas pourquoi. On lançait un missile avant d'aborder le navire? Ça n'a pas de sens. Regarde, on continue. Hé, hey, je passe ma belle ici. Non, pitié, je vous en prie. Je vous en prie, non. Je veux pas mourir comme ça. Je veux pas mourir comme ça. Bah, je suis allé lire. Le problème, c'est que dans les navires, c'est tellement soudé bien qu'on peut pas justement casser. Finissons-en. Il ne lui reste plus que quelques minutes. Vous l'avez trouvé, Ricker? Je sais pas si on survivra à l'eau par contre. On fout le camp de Stadterail. Lui, je l'aime pas, je pense que je vais devoir le tuer. On retourne aux Valkyries. Je t'en quoi. Ils sont sérieux qu'ils sont encore là, eux? Non. Eh merde. Ouais, je disais que lui, je pense qu'on va avoir le tuer aussi. Il me semble un peu louche. Je sais pas. Ou c'est juste qu'il nous aime pas trop. Ou c'est qu'il est louche pour de vrai. Et là, ça pose un problème. Attendez, récupération des armes. Histoire de les débloquer. Attendez. Voilà. Hop.
Oh merde! Oh putain, je suis nul là. Ouh là là. Ça fait déjà 1h30 de vidéo. Oh, je m'en fous, je continue. 1h30. On s'est quasiment plus minuit. Oh putain. Il s'est brisé son rocher. On a un contact. Attention, j'ai besoin de vous en vie. Restez tranquille. Wow. Lui notre avion, enfin notre bateau. C'est lui ? Non mais attendez, les mecs ils mettent des grenades comme ça. Putain, je prends cher quoi. Putain, s'il faut que je passe mon temps à éviter les grenades. Oh putain, je vais rechanger d'arme. What? Ça va me compter élimination ici. Faut finir à prendre ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Si, SBD. Oh là là. Ok, alors toi, tu vas voir. Une, deux. Et là, normalement, c'est bon. Tac. Ah bah attendez, je peux balancer tant de trucs que je suis à côté d'une cage de mine. Oups. Oh merde. Putain.
suis vu. Ah, c'est prêt. Ok, c'est bon. Oula. D'accord. Wow. Ah oui. Tac, allez, allez. Ah, c'est bon. Il n'y a plus personne. T'es où là? Ils sont où? Allez-y, hacker. Ok. Hein. Ouh, bah je viens de sauter, connard. Ah, mais c'est pas dans lui qu'il fallait sauter. En même temps, je les ai perdus les mails, je savais pas où ils étaient. C'est dur comme mission, je trouve. Enfin, je comprends pas trop en fait ce qu'ils veulent dire par sauter et sauter et sauter dans l'eau. Sauter... Oh non! Oh non, ils sont sérieux là? Ouais, là. Putain, on sait quoi? Tac et tac. Voilà. On change là. Ah non, t'es voilà. Hop là. Ah, le caisse c'est là. J'avais pas compris. Allez, allez, c'est parti. Tout le monde tire. Ouais, je comprends pas comment on tire. Ah d'accord. Ah mais en même temps ils me disent putain, ils me disent des touches 30 minutes après j'ai pris le bateau pour bien me faire démolir. Putain, ça me casse plus.
Je comprenais pas, j'appuie sur croix, j'appuie sur R2 et tout. En fait, c'est L2 pour tirer. Putain. Boum. Ah, je n'ai que la M4. Ah, mais ils vont pas nous prendre pour des ennemis avec ce bateau. Je suis trop loin là. Ok. Boum. Neutralisé. Putain, fait chier les dieux cette mission là. Ah, le bateau il prend à chaque fois cher et tout. Oh. Déjà plus de roquettes, mais ça servira à rien, c'est génial.
Oh, je suis cool. Je suis trop concentré là. Ah, ça. Allez, vite, vite. Ouais, c'est bon. Yes. Allez. Je pense que je vais arrêter là. Wow, 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 wow. D'accord, ok. C'est la guerre. C'est chaud là. Oh non, le con. Boum. Bon, faut faire avec là. Même si on sait pas qui sont les alliés, qui sont les ennemis. Oh putain de merde. Boum. Allez, on est pas en moi. Mais ça? Oh, ça m'intéresse. Anti-aérien, connard. Et le jeu de RPG. Bien compris. Breaker, trouvez un trigger et abattez-moi cet écran. On va prendre la lucesse. Boum. Oh non 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 non. Oh là là là. Je galère à mort avec cette mission. J'imagine même pas la dernière mission du coup. Putain, 2 heures de vidéo. Hé,
Oh, il t'a secoué avec un grenade. Oh non, 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 pas encore, pas encore. Ouais, on peut monter en haut. Ça m'intéresse. Je sais pas si c'est des ennemis ou des alliés là. Non. Drapeau neige. Oh merde. J'ai trop du mal. Boom. Oh putain, j'ai galère. J'ai galère, j'ai galère. Garrison l'a fait déplacer. Quoi? Vous l'avez laissé? Il se fout de savoir qui je suis. J'étais censé faire quoi? Me battre? J'ai assuré la ligne de défense. Appelez la passerelle, demandez à Garrison où il est. Il vous écoutera. Wow. Merci, Barbara. Wow. Où je peux passer? Allez, c'est parti. En plus de sang, là. D'accord, ok. Oh non. Merde. Boum. Toujours des salles actives. Confirmé. Vous nettoyez. Je suis pas trop sûr qu'elle tient, mais... Ok, on avance. Oh merde. Il est passé dans le moment, lui. Ah bah oui, effectivement, il est passé dans le moment. Hélico ennemi abattu. Mais ouais. Ça vous apprendra à attaquer le Valkyrie. Attention, attaque aérienne. Donnez-nous une cible. Des transports de troupes. Abattez-les avant qu'ils se déploient. On va s'assurer que ces connards... Hein? Covid. Ah d'accord, ok, il faut maintenir... Ah oui. Avant que tu puisses te déployer.
Boum. Des transports de troupes. Abattez-les avant qu'ils se déploient. Descendez-le, les gars. Donnez-nous une cible. Pas eu ton spawn, absolument pas bugué le truc. Ouais, tu l'as fait. Hein. Bah, il va plus cher. Hein. Ah, il est mort. Ah non, pas encore. Le connard, il vient de me faire tomber. Bon, le truc c'est que à 4 on peut pas défendre un portable. Jusqu'à difficilement. C'est efficace à tirer sur le mur, lui. C'est bon! C'est bon! Capitaine Garrison, passerelle nettoyée. Il va bien? Il est stable. Actuellement décédé. Il a pas survécu. Putain de merde. Grâce à Tombstone, le Valkyrie flotte toujours. Mais il est endommagé. On est loin de chez nous, les gars. En eau hostile. Et je crois que le pire reste à venir. Alors je suis content de vous avoir à bord. Sergent Riker, je veux un débriefing dans 15 minutes. Tombstone est à vous. Merde, j'ai pas réussi à choper la type 88. C'est pas grave. La chute d'un titan. Moi, de toute façon, je pense que là, je vais arrêter. Il doit rester encore 2 ou 3 missions, je pense. Et après, ce sera la fin. Les informations que vous avez rapportées du Titan confirment que le commandement central du Pacifique est HS, balayé par les missiles chinois. Chang contrôle toute la région maintenant. Étant donné la gravité de la situation, capitaine, il vaut mieux redoubler de prudence. L'intégrer à l'escouade, ça va pas plaire à Heinrich. Heinrich n'a pas la vue d'ensemble. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Elle ira avec vous. Compris. Heinrich est un type bien, je garderai un œil sur lui. J'apprécie, Pac. Il vous reste du chemin à faire, mais vous avez l'étoffe d'un chef. Merci, capitaine.
On devrait savoir autre chose à propos de l'attaque de l'aérodrome? Oui. Allez chercher Wrecker. Back, Wrecker, il va falloir m'aider sur ce coup. On ne peut pas gaspiller nos derniers missiles. Attaquez l'aérodrome. Surveillez le sol. Prévenez-nous quand leurs avions seront sur le tarmac. On va allumer ces enfoirés et continuer vers l'ouest par le détroit. Bien reçu, capitaine. Trop facile. Back. Wrecker, vous risquez d'y passer. Comme beaucoup de vos amis. Mais on y est. C'est notre seule chance. L'escouade qui rejoindra l'aérodrome et lancera sa fusée aura 30 secondes pour filer avant l'arrivée de nos missiles. Bien reçu. Ne devenez pas des statistiques de tir à mine. Anna. En route, Wrecker. Ok, bon, voilà la cinématique. Moi, de toute façon, je vais arrêter là. On y va, allez, on y va! Les ordres du capitaine, Iris. Oh, 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 tu crois aller où comme ça? Je suis volontaire. Et volontaire? Qui a approuvé? Le capitaine Garrison. Vois ça avec lui. Vous étiez tous au courant? Vous parlez mandarin, sergent. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, jeune fille? Je suis là pour aider. Vous allez me couvrir, hein? Vous voulez que je vous dise? C'est une putain d'erreur. Elle va nous faire courir des risques. Votre attention. Le capitaine Harrison va vous parler. Guerrier du Valkyrie. Je sais qu'on est crevés. On a tous souffert. Perdu des amis, des proches. Alors faisons en sorte que ce ne soit pas en vain. La tempête a cloué au sol des avions ennemis. Mais ça ne va pas durer. Il ne reste peut-être que nous. Mais on ne va pas se laisser faire. Cap à l'ouest, nous allons attaquer l'aérodrome pendant la tempête et ouvrir un passage par le détroit de Singapour. Frappez vite, avec détermination. Cette tempête va nous ramener chez nous.